ne touchez pas à l'eau, car elle est très précieuse, mais elle peut aussi s'avérer très dangereuse. Elle est indispensable pour le corps et la peau, pour faire vivre les animaux et les végétaux. C'est nous, elle coule à flot, et on y prend garde, alors que Sahara, sans elle, la vie est arme. La pub dit qu'il faut boire de l'eau pour être belle, alors va à Vichy, à Aix ou à Vitesse. Et dans ces termes, on soignera ton corps de bain, comme l'ont fait avant les Gaulois et les Romains. Oui, mais si t'es insolent face à la prudence, même dans ton bain, tu peux te noyer par malchance. Tourne le moulin, crée ton énergie et des problèmes hydroélectriques. Hydroélectrique, et que fais-tu des centrales? Toutes ces catastrophes, ça fait mal au moral. Un jour, une vague a déferlé sur le Japon, laissant le reste du monde coaché au sort des ponts. Elle arrive à plus de 800 km/h, laissant derrière elle morts, misère et images d'horreur. Oui, mais comme source nourricière de notre terre, elle travaille pour nous depuis l'ère primaire. Elle gonfle de ses grands pleurs les nappes phréatiques, enfantant en tous lieux des images frénétiques. Regarde en Cappadoce le cheminée de fées que l'on a sculpté depuis des milliers d'années. Ah, et que fais-tu de son goutte à goutte cruel qui anéantit de son verdict perpétuel? Les sournoises écrasées dévastent les forêts et corrodent de fragiles monuments new-yorkais. Pourquoi ?